Il y a les festivals de musique et il y a le Edgefest. Le Festival des cultures numériques est organisé du 3 au 6 juillet prochain à Strasbourg. Professionnels du secteur et geeks en tout genre y présenteront leur univers avec le Edgefest plongé dans les cultures numériques. L'idée, c'est justement de faire se croiser des communautés qui se brassent de temps en temps à la marge, mais qui n'ont pas forcément de liens très imbriqués ou qui n'ont pas finalement si souvent l'occasion de se croiser, d'échanger sur ce qui fait leur identité. Et là, l'enjeu, c'est de voir quand on fait se rencontrer ces communautés-là, quels sont les nouveaux possibles qui se mettent en place, quels sont les champs d'expérimentation qui se dessinent et les endroits où on a envie de discuter, débattre, imaginer, créer. Des jeux vidéo, codage de logiciels, les participants du Edgefest tâteront du numérique et pourront même se lancer dans un hackathon, une grande course contre la montre de la programmation. Le tout sur une plage de sable aménagée devant la bibliothèque André Malraux. C'est aussi un fantasme. Ici, on est dans un lieu qui s'appelle la plage digitale. Et c'est un peu cette idée qu'à l'entrée de l'été, on met en place une vraie plage digitale à Strasbourg. La plage digitale, c'est aujourd'hui un espace de travail collaboratif. On échange, on s'entraide, on conçoit. C'est notamment pour des gens qui vont travailler sur des projets qui sont nouveaux, qui sont innovants, qui n'ont pas encore trop la possibilité de s'installer dans un lieu pérenne, fixe. Il y a un besoin de tester des solutions. Ou des gens qui ont une entreprise où ils sont seuls. Justement, pour ne pas être seul et pouvoir partager ses questionnements, ses problématiques professionnelles avec d'autres, un espace de coworking, c'est aussi une possibilité pour ça. Gratuit, cet événement est organisé pour la troisième année consécutive. Il se déroulera du 3 au 6 juillet.